Et bah c'est parti, point de départ de la balade, 60 km, 3000 des plus, premier objectif, la ferme du Han. On va bien s'amuser. Petite vue sur les sommets du parcours, mais bon, on va pas aller là-haut. Hein, déjà qu'on a un entraînement aux fraises, on va pas se rajouter du D+. Une grosse montée plus tard. La ferme du Han qu'on voit pas du tout, du coup, hein, c'est pas grave. Faut imaginer une ferme, rien de plus normal derrière les bâtiments. Le soleil pointe le bout de son nez, et on va continuer là-dessus. Prochain arrêt, Saint-Nizier ou un truc comme ça. On verra ce que ça donne. Jusque là tout va bien, mais bon, ça fait 5 km qu'on y va, donc heureusement que ça va encore. Allez, pas si vieux que ça. Allez, zou. Une heure 37 de course. On vient de quitter le petit village de Angin. Direction La Molière, seconde montée. Jusque là, tout va bien. C'est beau, hein? Oh putain! Alors derrière nous, la petite ville d'Autran, très jolie. Et devant nous, le prochain travail, le pas de Pétrus, 4 km de montée avec une bonne petite pente, histoire de bien se casser les cuisses. Allez, passage, pas du percussion. J'ai plus de jambes, mais il ne reste plus qu'une grosse montée. Tout devrait bien se passer. Tout va bien se passer. En attendant, on va se péter les cuisses à la descente. Parce qu'on aime ça.
C'est l'heure de la soupe. Ah, arrivé sur le pas du Follet, qui va marquer la fin du plus gros du dénivelé. Après, il nous restait 150 mètres, des petites bricoles, et on est tranquille. Donc ça fait super plaisir. Parce que autant dire que les gambettes, ça commence à tirer. Hop, hop, hop. En plus, c'est un super point de vue. On va pas se gêner pour aller voir. Voilà. Arrivé dans le joli petit loge de Cognat-les-Gorges. Plus que 10 km de plat et on est à la maison. Je sens que ça va être long. Panneau de la fin, c'est fini. Ah putain, j'ai plus de jambes. Bon, bah moi je vais me faire une pizza, un burger, une poutine, et on va s'arrêter là. La prochaine fois, je ferai des entraînements plus réguliers.